Aujourd'hui, nous vous proposons un spécial de Gary Moore, le célèbre et légendaire guitariste et chanteur de blues. Midi 1, Jawad, histoire d'un nom. Gary Moore est un célèbre guitariste et chanteur nord-irlandais de blues et de hard blues rock. Il utilisait souvent des sons saturés dans sa musique. On écoute Gary Moore chanter, on en parle dans un instant. Le 4 avril 1952 à Belfast, il est décédé le 6 février 2011 à l'âge de 58 ans à Estepona, alors qu'il passait des vacances en Espagne. Dès les années 70, il joue dans plusieurs groupes. On donnera les noms dans un instant, mais pour l'heure, écoutons Gary Moore jouer de la guitare. Ainsi donc, Gary Moore se produira avec les groupes suivants. Skid Row, Collision 2 et Thin Lizzy, avec qui il se produira entre 1974 et 1983. Lorsqu'il faisait partie du groupe Thin Lizzy entre 1974 et 1983. Le lead guitariste du groupe, Gary Moore, jouait avec Phil Lynott, qui était le bassiste de Thin Lizzy et qui l'accompagnera à travers son premier album solo, Back on the Street, paru en 1978, car son album précédent, Grinding Stone, paru en 1973, était signé The Gary Moore Band. Gary Moore, qui à travers toutes ses chansons, chantera bien évidemment et interprétera de manière sublime de légendaires solos de guitare, comme on peut s'en rendre compte tout de suite. If you be my baby, tell you what I'll do. I'll give you so much loving, you gotta love me too. If you be my baby,
talking about. You got something, woman. Make a dumb man scream and shout. If you be my baby. If you be my baby. If you be my baby. Well, I'm gonna keep you satisfied. Pour information, sachez que le guitariste basse Phil Lynott coécrira avec Gary Moore la célèbre ballade Parisian Walkway, ce tube mondial que nous vous avons souvent proposé à travers nos programmes et que nous écouterons au cours de ce rendez-vous. Mais pour l'heure, on poursuit l'écho de Gary Moore avec ce superbe blues intitulé If You Be My Baby, titre à travers lequel on peut notamment apprécier sa captivante manière de chanter et sa façon très mélodique avec laquelle il joue de la guitare électrique. Looking for a woman, never done no wrong. Pendant sa carrière, Gary Moore a enregistré de nombreux albums studio et live. Ainsi donc, entre 1978 et 2008, Gary Moore aura enregistré 17 albums studio, en plus d'un nombre considérable de singles, d'albums live et de compilations. Côté musique, il jouera en plus du blues et du blues rock, du jazz rock dans les années 70. Pourquoi Gary Moore s'était-il tourné vers le jazz rock pendant les années 70 ? Tout simplement car cette tendance était très en vogue à l'époque. Ainsi donc, dans les années 80, Gary Moore sera influencé surtout par le hard rock, avant de revenir plus tard, dès l'année 1990, à ses sources premières, c'est-à-dire le blues et le blues rock. My baby, you left me. My baby, she's gone. My sweet little angel. Spread our wings and flow. To think of a reason for going on from this day. I will play the blues. Une chose très importante à savoir à propos de Gary Moore. En effet, ce guitariste a reçu sa première guitare acoustique à l'âge de 8 ans. Et malgré qu'il soit gaucher comme Jimi Hendrix, il a appris à jouer de la guitare comme un droitier. I got a long grandma. She won't let
to brush her in the morning, put her to bed every night. C'était Gary Moore. Avec le titre que nous venons d'écouter à l'instant, Long Grey Mare. Chose très importante à savoir côté guitare dans un instant. Some people say, why do you play the blues? Some even ask me if I pay my dues. Tell them it's something. Get me through every time that I think of you. That's why. That's why I play the blues. En effet, le fait que Gary Moore ait appris à jouer la guitare comme un droitier est similaire à la façon avec laquelle un autre génial guitariste, Mark Knopfler, l'ex Dire Straits, joue également de la guitare. People wanna know if the blues is here to stay. Car lui aussi est un gaucher qui joue de la guitare comme un droitier. Écoutons le jeu de guitare de Mark Knopfler. When I was just a boy, I'd be kicking a tin. Take a shortcut home through the loony bin. I never gave much thought to the souls in there. I was just a boy, too young to care. C'était Mark Knopfler. Well, the years go by and you get to see a dream's not the same as reality. Will a dream or two is gonna crash and burn, and that's the way that you live and learn. À présent, retour à Gary Moore qui a été influencé par de nombreux musiciens. Jimi Hendrix, John Mayall et Peter Green. The sky is crying. Look at the tears running down the street. Mm-hmm.
The sky is crying. Look at the tears rolling down the street. Gary Moore, donc influencé par Jimi Hendrix, John Mayer et Peter Green, qui a fait partie du légendaire groupe Fleetwood Mac. Gary Moore s'est également produit sur scène, en même temps que d'autres célèbres artistes tels B.B. King, que nous écoutons tout de suite. Célèbre guitariste et chanteur de blues à l'instant, B.B. King. Comme nous vous l'avons dit au cours de ce rendez-vous, Gary Moore a été très influencé par le légendaire guitariste de rock et de blues, Jimi Hendrix, au point d'enregistrer un album live en hommage à Jimi Hendrix, intitulé Blues for Jimi. Voici Gary Moore avec sa reprise de Hey Joe, signée Jimi Hendrix. Hey Joe, where are you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. I said, I'm gonna shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. Heard you shot your woman down. Down on the ground. Hey Joe, I heard you shot your lady down. Cet album live intitulé Blues for Jimi a été enregistré par Gary Moore lors d'un concert qu'il avait donné au London Hippodrome en Angleterre le 25 octobre 2007. À ce propos, sachez que 9 albums live de Gary Moore ont vu le jour. Certains ont été publiés de son vivant et d'autres sont parus à titre posthume. C'était en version Jimi Hendrix, Gary Moore à l'instant, dont le nom intégral est Robert William Gary Moore. Sa maman était une femme au foyer et son père un promoteur de spectacle qui, dès son jeune âge, avait donné à Gary Moore l'envie de chanter. Oh, pretty woman, choose the rising sun. See all your cheap pain and powder ain't gonna help you none. Cause she's a pretty woman right down. So you might as well leave your skin alone. Pretty woman. Enfant, Gary Moore chantait sur scène car son père le lui demandait avant de lui acheter à l'âge de 10 ans sa première guitare, une guitare acoustique d'occasion.
Adolescent, il avait formé un groupe amateur de rock avec qui il interprétait notamment des reprises des Beatles. C'est ainsi qu'il se lia d'amitié avec un autre célèbre guitariste, Rory Gallagher, qu'il avait connu lors de concerts collectifs où tous les deux se produisaient. Dès la sortie du premier album studio de Gary Moore, Back on the Street, paru le 30 septembre 1978, cette chanson, Parisian Walkways, deviendra un hit mondial qui, dès le départ, retiendra l'attention du public et sera considérée dès lors comme la chanson signature de Gary Moore. Voici un extrait de cette chanson classée en mai 1979, numéro 8 en Angleterre. Michel and old Beaujolais wine, and I recall that you were mine in those Parisian days. En mars 1990, paraît le 8e album de Gary Moore, à travers lequel ce célèbre artiste reviendra au style authentique du blues et du blues rock. Ce 8e album signé Gary Moore sera l'album qui aura connu le plus grand succès en termes de vente et de classement aux États-Unis dans le Billboard 200 de cet album intitulé Still Got the Blues. Looking back at the... Voici la chanson éponyme qui vient clore ce spécial Gary Moore, disponible dans la série Histoire d'un nom sur Média Podcast. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente écoute. Used to be so easy. Found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. I've still got the blues for you. Used to be so easy.